Et salut tout le monde les amis Sepler Gamer, bienvenue pour une nouvelle ouverture de cartes Dragon Ball. Ça faisait énormément de temps que je n'en ai pas fait une pour le coup. Ça doit faire 6 mois à l'aise, même plus pour le coup. Et je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors c'est des cadeaux de Noël justement de mes proches, hein, d'Icarus et de mes parents, qui m'ont fait des cadeaux de Noël en rapport avec Dragon Ball Super, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il y a les amis un spécial anniversary box, voilà, donc jamais ouvert sur la chaîne, donc c'est cool. Un petit premium pack qui est une édition spéciale version Dragon Ball, donc c'est cool. 4 boosters solo et pour finir ceci que j'ai déjà ouvert avec vous, c'est une gift box, donc on va ouvrir juste, on va l'ouvrir parce que juste il y a un booster solo à l'intérieur. Et aussi, c'est bien, c'est que la grosse carte à l'intérieur, je ne l'ai pas, la carte Jumbo, donc qui est le Baby Gorille déchaîné. Très sympa. Celui que j'ai, c'est Demigra, je crois, qui s'appelle comme ça, forme géante. Justement, je pouvais faire voir, c'est... Attends, comment il s'appelle? Ah putain, il est en anglais. C'est Demigra, ouais. Voilà, j'ai celle-ci, les amis. Donc ça m'en fait 2 sur 5. Non, sur 7, pardon. C'est vrai qu'il y a un Goku, il y a un El Famoso Goku, mais bon. Allez, nous sommes partis, on va commencer avec le booster solo, hein, si vous le voulez bien. Let's go, c'est parti. Alors, on va commencer par... Alors, on a 2 Miraculous Revival et 2 tournaments World Martial Art Tournament, qui est la BT-02, donc nous sommes partis. Sachant, petite anecdote, les amis, la BT-02, à la base, je devais l'acheter en display, et malheureusement, ça ne s'est jamais fait, parce que j'ai jamais reçu les cartes. Mais j'ai été remboursé et tout, donc bon, malheureusement. Hein. Allez, on est parti, Bacterian Nauséabond. Ah, si on a une SPR, les amis, ça serait incroyable. Le présentateur arbitre vétéran, effectivement. Le tout-puissant en relation de confiance. Envoûtement de Trunk, MDR. Vegeta, abus de force, sympa. Krillin, aguerri, ok. Chichi, experte en arts martiaux. Donc voilà, c'est le thème arts martiaux, hein, comme vous l'avez deviné. Moko, ouais, l'imposant. Sangwan, duo héroïque. Donc comme vous voyez aussi, c'est vrai qu'il y a le début de ces cartes, les cartes duo. Alors je sais pas si ça continue d'être fait dans Dragon Ball, mais cette édition-là, on est rempli, que ça soit SPR ou autre. Allez, attention, le présentateur, toujours curieux. Et Monsieur Satan, le pack secret. Et... Ah, dommage. Donc on a une rare et une UC, malheureusement. Monsieur Satan, le pack secret en rare. Ok, bon. Dommage. dommage. Allez, deuxième booster, donc c'est un lot de 125 cartes au total, d'accord, intéressant, très intéressant, sachant les amis, je ne sais pas quelle vidéo sera la première, mais il y a aussi une vidéo de cartes Yu-Gi-Oh! qui sera disponible un petit peu plus tard, parce qu'on m'a aussi offert du Yu-Gi-Oh! Donc du coup, pourquoi pas vous en faire une vidéo, hein, pourquoi pas, Monsieur Satan ultra sûr de lui, évidemment, en leader d'ailleurs. En carte leader, donc en normal et en mode je me bats. Maître des grues, virtuose martiale. Tenshin Han, ok, intéressant. Yakon, le fil du rasoir, ouais. Sangoku, futur grand combattant. Spopovic et Yamu, la force visée. Vicié. Monsieur Popo, relation de confiance. Vegeta, but de force. Ah, oh, c'est con le doublon. Ah, oh, putain, l'autre doublon aussi, c'est dommage. Affrontement de Goku. Attention. Ah, Pupi, Valet du Sorcier. Attention. Ah, dommage. Pan, don révélé en rare. Ok. Dommage. Bon, pas de SPR hein, pour ça. Ok. Allez, passons au Miraculous Revival, les amis. Alors, attention. Donc, le Gogeta, hein, si on est une SPR, comme je le dis, hein, ce serait incroyable. Ce serait OMG, hein. Ça serait OMG. Alors par contre, j'ai juste enlevé ça parce que ça me gêne. Alors, paix dans le monde. Hop, je vais le mettre là. Shisami le sauvage. Oolong en train de comploter. Ok. Dragon Ball. D'accord. Roima, régisseur des âmes. Oui. Cell, le démon des enfers. Oui, sur position succincte. Transposition. Sympa. Appel de la justice. Ok. Sentiment caché. Ah oui, celui-là. Magnifique. Bulma à la recherche des Dragon Ball. Et attention. Oh. Ah, c'est une SR. Dommage. C'est une SR. Sangoten, déchaînement des fantômes. Ok. SSJ Sangoten. En SR.
Sympa, sympa, dommage, dommage, j'y ai cru. Mais on a eu quand même une SR, quand même. Alors on est parti pour Shenron, hein. On est parti pour Shenron. Dans cette invocation Dragon Ball. Hop, tac, tac, tac. Donc c'est la B05 d'ailleurs, la série, les amis, si vous me demandiez. Janemba, cœur d'enfant. Ok. Sévin, le créateur machiavélique. Grand-père, Sangohan. Sangoten, barrage de qui? Souhait d'un enfant. Ok. Le rajeunissement du roi. Oui. Destin imprévisible. Ah, sympa celle-là. Très très sympa. Ambition personnelle. Ok. Caillou du Sud, le veilleur. Ok. Boule fraudoyante. Très sympathique. Ok, Sangoku. Et là, la dernière. Ah, dommage. Fusion robot mécanique de Pilaf. Ok. Bon. Ok, ok. Décidément, moi et ma chance sur Dragon Ball. Aïe. Bon, l'édition spéciale ou la Anniversary Box. Bon, allez, on est parti pour l'édition spéciale. Clash of Fate. Très sympa. Très sympa. D'ailleurs, vu que c'est une édition spéciale, les amis, on va avoir, si je ne m'abuse. D'ailleurs, je vais essayer de garder la boîte. Ah, oh, parfait. La boîte, elle s'ouvre nickel. Ah non, c'est des cartes. Oh non. Oh, c'est pas des boosters. Oh. Oh, la déception, les amis. Ah ouais, c'est un gros lot de cartes. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ah mince. 36 cartes aléatoires de la série. Ah ok. Il y a 36 cartes aléatoires, d'accord. Bon bah c'est comme si on a des boosters, mais il n'y a pas les boosters, ok. Et ça c'est les cartes promo. Il y a des cartes promo, d'accord. Ah donc du coup c'est pas tout à fait une édition spéciale. À proprement parler, mais ok, on s'y rapproche, intéressant. Alors nous avons VQ, guerrier défaillant, effectivement. Vegeta, roi du revirement, sympa. Broly, intimidation démoniaque. Broly, présence paralysante. VQ, ouais, et Gogeta, et les 4 embryantes. D'accord, on a les 4 embryantes et les 4 en normal, ok, ok. Ouais, ok, bah du coup ce premium pack c'est juste pour acheter ces cartes là en fait, si je comprends bien. Bon, on va voir si on a quelque chose de bien dans ce paquet là. J'espère, on croise les doigts. Alors attention, hop, voilà. Allez, Dodoria, le remplaçable. Ok. Piccolo, solidarité entre Namek. Purunga, le sauveur des Namek, en leader, les amis. Donc Dragon Ball et Purunga, ok, évidemment. Freezer, processus d'évolution. Ok. Célipa, l'envahisseuse de planète. D'accord. Oh, Son Goku, le Super Saiyan légendaire. Magnifique. Magnifique, les amis. Sangoku leader SS, magnifique. Vaisseau spatial de Freezer. Piccolo débordant de confiance. Mm-hmm. Effectivement, c'est Dende, d'accord. Ah, je suis en prenant. Thomas l'envahisseur des planètes. Sangwan duo novice. Okay. Pumonki lien redoré, d'accord. Freezer amorce de combat, oui. Kakarot porteur du destin. Sangoku fuite impossible. Sangwan, ok. Super Zarbon. Chef de Namek, ancien sage. Technique d'immobilisation. Taiyuken. Appel au salut. Rêve prémonitoire. Oh, magnifique. Magnifique cette carte. J'aime beaucoup. Rikum Ultra Fighting Bomber. Ok. Rikum qui ressemble plus à rien d'ailleurs dans cette photo. Hein. Souhait de Purunga. Assimilation. Bulma soutien de confiance. Ok. Point du futur. Ouh. Zarbon pouvoir caché. Krillin, le réveil de la force. Vegeta, victoire tactique. Totepo, lien redoré. Ok. Buldo, force de frappe. Vegeta, totalement rétabli. D'accord. Gis, force de frappe. Célipa, lien redoré. Krillin, assaut persévérant. Purunga, la force retrouvée. Et c'est tout. Ah, on n'a rien eu. On n'a rien eu de bien. On a eu un SR et deux R, les amis. 2R et 1SR, bon, ok. Ok. Bah déjà assez déçu que ce n'était pas des boosters à part, mais... Ah, dommage. Eh oui, ah, moi et ma chance sur les Dragon Ball Supercar. Hein. Bon, bah on va passer pour la dernière, les amis. Hein. La petite dernière boîte, la fameuse Anniversary Box. On va voir ce qu'il y a dedans. Même si je sais à peu près quoi retrouver, mais c'est quand même un beau pack. C'est quand même un beau pack celui-ci. Alors on va faire un peu de place. Hop, tac, tac, tac. Tac, voilà.
Alors hop, ça s'enlève pas. Ah si, ça s'enlève comme ça. Alors on va voir ça. Attention. Ah, du plastique, hein, du plastique. Alors nous avons 4, 5 boosters. Ok, donc 3 boosters normal et 2 de tournoi et c'est tout. D'accord. Ok. Mais par contre la boîte est très jolie, hein. Moi j'aime bien. La boîte j'aime beaucoup. Elle est très très sympathique. Alors par contre comment ça s'était mis déjà? Ça s'était mis comme ça je pense. Ok, donc tac, on va le mettre comme ça. Alors nous avons 3 boosters. Ok, on a un BT02, un BT4. Ah ouais, on a carrément pif. Et on a 2 event packs. Alors on va commencer par les event packs. Donc total. Ah, 18 cartes, d'accord. Alors, bon, on va voir qui on a de bien. Est-ce qu'on a une carte de bien? Je ne sais pas. Je ne connais pas du tout là dans ce pack comme ça. Putain, waouh. Ah ouais, c'est avec de la colle carrément. Allez, voyons voir cette carte. Et nous avons. Oh, non, on en a deux. Ah, il y a deux cartes. Quoi? Pourquoi j'ai deux? Trois cartes? Hein? Pourquoi j'ai trois cartes? C'est une carte par booster. Oh! Kama Père-Fils. Zarbon, assistant de l'empereur. Et Mamie Voyante, prêtresse de la terre. Pourquoi j'en ai trois? J'en ai trois aussi? Ok. D'accord. Alors pourquoi j'en ai trois? Attends, on va regarder. On va regarder le deuxième pour voir si j'ai trois cartes ou pas. Ah oui, j'ai trois cartes aussi. Mais alors pourquoi il marque une carte par booster? Ouais. Ok. Oh, un Godku, très sympa. L'abus de la toute puissance. Un Bardock, très sympa aussi. Et un. Ah, boule broyeuse, bon, c'est moins bien. C'est moins bien. Oh, ils sont très sympas ces cartes. Regardez les amis. Ils sont très très sympas en or et tout là. J'aime beaucoup. Waouh, il y a un 100, hein? Mais arrête. Waouh, il y a 101 cartes. 110! Ah, par contre, attends, BT1. Ah, ça se met. Ah, ça se met à la suite. Ça se met à la suite des séries en fait. D'accord. C'est peut-être certaines cartes qui sont en version or. Ok, intéressant. Allez! Un nouveau tournament du pot. Tournament. Non, c'est pas tournoi du pouvoir, malheureusement. La BT1 que j'ai ouvert des milliards de fois, les amis. C'est le fameux tournoi arts martiaux. Est-ce qu'il va nous ralasse l'anniversary pack? Le présentateur, Trunks, les mini-rivaux, Babidi du obscur, Krillin guéri, Mighty Mask, pouvoir combiner, le tout-puissant, Sangwan du héroïque, le présentateur en double, yes, Pigo Junior attaque prompt, envoûtement de Trunks, ah merde déjà, Sangoku au travail du destin et. Ah dommage, il y a un UC, ok, on a eu un Goku en R, en rare. Et un Kaioshin. Oh, dommage. C'est dommage que j'arrive pas à avoir une carte Esper. Franchement, c'est un délire. Hein. C'est un délire que j'arrive pas à avoir une Esper. C'est seulement. Quoi? 218 cartes? Colossal Warfare? Il y en a combien celui-là? 145. Ah ouais, ça varie vraiment. D'accord. Eh ben, dis donc. Allez, on est parti pour ce Demigra. Forme normale. Les amis. En BT4, Colossal Warfare. Je ne sais pas si j'en ai ouvert des Colossal Warfare. Je ne pense pas. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Pilina, duo de Namek. Très sympathique. En tout cas, ceux-là, j'aime beaucoup. Les cartes en or comme ça, les amis, j'aime beaucoup. Je remettrai un petit protège-carte. Serment de vengeance. Saiyan masqué. Yes. Excellent. Trunks, soutien de téléportation. Espoir sans Bulma. Pan, talent émergent. Vidalmer, bienveillante, pardon. Sangoku, oh sympa, très sympa. Simbal, le serviteur du roi, oui. Sangohan, père adoptif. Grey sous l'esclave de Demigra. Ah putain, je suis déçu, c'est Nasser. Ah, je suis déçu, je croyais que c'était Nasser, dommage. Ok, moi bah, Nasser, Demigra, espace-temps obscur. Ok, en SR. En SR, dernier booster, Rosé et Zamasu. Est-ce que les amis. Ça serait finalement une Zizou. Ça serait incroyable. Ça serait un OMG. On se spoil pas. C'est quoi? Assault of the Saiyan. Sympa. J'ai jamais ouvert cette édition là. Hein. Pour être honnête. Non. Jamais. Sangoku entré en scène. KB rage non dissimulé. Sangoku SSJ Blue le déblayer. Sympa. Liens familiaux. Ouais. Un peu simple. Frost défense à toute épreuve. Bulma venu dire au revoir. Ok.
Oh, Son Goku Kaioken, résultat d'entraînement très sympa, une carte leader. Ok, ouais, très sympa celle-là. Vidal, le truand enflammé, ok. Pilina, partenaire de mec, encore lui. Trahison du maître, aïe aïe aïe, oui, cette trahison, incroyable. Incroyable. Alors attendez, il nous reste combien de cartes? Ah, c'est la dernière. Ah merde. Ah putain, c'est un Broly SR. Il est très sympa, hein, mais c'est un Broly SR. Je suis deg. Ah, dommage, un Broly SR, ok. Sympa, mais pas de SPR, les amis. Malheureusement, on n'aura pas eu de SPR. Bon, bah, on aura eu quand même des cartes assez jolies, mais bon, aucune no cote réellement, je pense. Aucune no cote réellement, mais voilà, ok. C'est quand même stylé. Bon, les amis, merci d'avoir regardé cette fameuse ouverture de cartes Dragon Ball. Super, je te la souviendrai plus. N'hésite pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner, ça me fera extrêmement plaisir et ça m'aide beaucoup. Et à très vite, les amis, pour d'autres vidéos. Allez, bye tout le monde.